Est-ce que vous, Laurence Wisniewski, ça vous choque d'entendre Alexandre Benalla dire qu'il n'a pas de respect pour les sénateurs? Et je pense que Monsieur Benalla est un peu dépassé par ce qui lui arrive et qu'il ne parvient pas à mesurer ses propos. Cela me choquerait au demeurant dans la voix de quiconque. Chacun d'entre nous doit respecter les institutions et leur fonctionnement. L'insulte n'est pas dans ma manière de faire. L'ancienne juge d'instruction que vous êtes, que dit-elle de l'audition d'une personne mise en examen par une commission d'enquête parlementaire? Cette audition aura ses limites, mais je ne doute pas que Philippe Bas saura respecter ses limites, puisqu'effectivement, la commission d'enquête du Sénat ne peut pas interférer avec l'affaire judiciaire en cours. Donc les faits qui font l'objet de l'enquête judiciaire, mais qui sont ceux qui se sont produits effectivement le 1er mai, ne pourront pas faire l'objet de développement devant la commission du Sénat. Et c'est vrai que M. Benalla pourrait ne pas répondre aux questions qui lui seraient posées. En revanche, il est tenu de déférer aux convocations de la commission d'enquête du Sénat, de la même manière que chacun est tenu de déférer aux convocations des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale, puisque nous avons une à notre. Mais du coup, quelle est l'utilité de ces auditions parlementaires, puisque la justice est saisie? Alors, l'utilité, elle réside dans les liens qu'il pourrait y avoir avec des dysfonctionnements au sein de l'État, puisque ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, mais le rôle des sénateurs et des députés est de contrôler l'action du gouvernement, et entre autres. Et dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent s'interroger sur la manière dont l'État fonctionne. Donc sur les dysfonctionnements, oui, il y a matière à entendre. Maintenant, moi je pense que nous avons fait l'essentiel. Nous avons déjà beaucoup avancé et je crois que nous avons fait le tour de la question lorsque la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a terminé ses travaux, même si on peut toujours penser qu'on peut faire mieux en entendant toujours plus, et je crois qu'il faut passer à autre chose. C'est vrai que c'est un dérapage individuel qui n'aurait pas dû à l'origine mettre en cause les autorités publiques. On a réagi sans doute trop tard, et maintenant vous avez parlé d'un feuilleton, il faut que ce feuilleton s'arrête quand je pense aux défis auxquels nous avons à faire face. Je dirais à nos dépenses publiques qui sont conséquentes. Oui. On va en parler d'ailleurs. À notre déficit que nous n'arrivons pas à limiter, je veux dire à l'immigration, au climat, les deux étant liés, je m'affole de voir l'attention que l'on donne à cette affaire. Justement, quand vous entendez certains membres du gouvernement ou certains responsables de La République En Marche, en quelque sorte, remettre une pièce dans la machine, recommenter, est-ce que vous ne dites pas à eux, stop? Je laisse la responsabilité, je dirais, des propos de chacun à ceux qui les ont prononcés. Peut-être répondait-il aussi à des questions de vos confrères. Donc, je crois qu'il faut maintenant tourner la page en tirant les conclusions des travaux des commissions d'enquête et en laissant la justice continuer à travailler.